démarrer ces journées du patrimoine 2021. Donc vous imaginez qu'on est bien content de les faire puisque l'année dernière ça a été annulé et justement votre hommage à Jean Nicolini avait dû être malheureusement annulé l'année dernière. Donc vous connaissiez tous très très bien Jean, c'était vraiment quelqu'un de très important pour le patrimoine à Velot depuis des années. Il a énormément fait sur les archives, sur l'archéologie, sur tout le patrimoine, la tour bien sûr. Donc on a voulu lui rendre cet hommage. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Je laisse la parole à Luce. Donc moi juste un petit mot d'un ami qui m'avait dit, qui m'avait raconté cette fable en me disant, tu sais, les tambourinats ne meurent pas. Il s'envole et se transforme en cigale. Et depuis deux ans, deux étés, les cigales chantent bien plus fort parce que Jean, c'est chouette. Couvervaille. Il y a de la friture sur la ligne, mais on entend un lointain, cependant, un lointain va bien. Bien sûr, après tant d'années de passion de tout, tu as posé, galoubé, tambouré. Assis dans un grand fauteuil de nuages, tu regardes avec amour les tiens, tes amis et tous les autres. Tu surveilles ton livret, sois tranquille, cette année elle va être bonne. Sans doute tu dégustes un morceau de nougat dans l'eau, ça va de soi. Velot te doit beaucoup de merci, on l'a vu tout à l'heure avec ce beau reportage, un bien joli inventaire où le respect des traditions et du patrimoine furent le fil conducteur. Tu as fini ton parcours dans des mois de souffrance, avec un courage exemplaire, occulté par ta pudeur. Un souvenir, de plus, apporté à nos amicaux souvenirs. On pourrait te dire à tout à l'heure. Mais non, on va un peu attendre. On reçoit simplement des milliers d'adhésias. Que restera-t-il sur la terre ? Dans 50 ans, on empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore, le Rhône charrie du mercure, des poissons morts, pour les enfants des temps nouveaux. Un chant d'oiseaux. Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Merci, la fête de 20 minutes.